Les systèmes hydrauliques sont largement employés pour transmettre et contrôler l'énergie. Les pompes utilisées sont relativement petites comparativement à la force considérable qu'elles peuvent transmettre, qui n'est limitée que par la résistance des matériaux. Par ailleurs, les équipements de contrôle permettent de très vastes plages d'utilisation. Le théorème de physique sur lequel tous les systèmes hydrauliques sont basés a été découvert en France par Blaise Pascal il y a près de 350 ans. Les liquides transmettent intégralement et en tous leurs points les variations de pression qu'ils subissent. Par exemple, un liquide déplacé par une pression de 10 kg et un piston d'une surface de 10 cm² exercera une pression 10 fois plus forte contre un piston d'une surface de 100 cm² et le soulèvera. L'eau servait de fluide hydraulique dans le théorème de Pascal. Et c'est encore l'eau qui, de nos jours, est utilisée dans les très gros ouvrages, comme les portes d'écluses et les ponts basculants, lorsque le fluide peut être déchargé dans son environnement naturel après utilisation. Et l'eau sert toujours de support principal dans l'élaboration des fluides difficilement inflammables, lorsqu'il y aurait risque de feu avec utilisation directe de produits pétroliers, dans les charbonnages par exemple. Mais l'eau présente de nombreux désavantages. Elle a une faible gamme de température d'utilisation, elle n'a qu'une seule viscosité et ne procure pas de protection contre la corrosion. C'est pourquoi quelque 85% des fluides hydrauliques utilisés de nos jours sont basés sur des huiles minérales auxquelles on a ajouté des additifs spécifiquement élaborés pour répondre à des exigences particulières. C'est à ces produits spécialisés que l'on se référera ici. Les systèmes hydrauliques sont essentiellement constitués d'un réservoir de fluide et d'une pompe généralement mue par un moteur électrique. La pompe envoie le fluide dans des canalisations résistant à la pression via une soupape étrangleur de régulation de pression et une autre de régulation directionnelle vers des ensembles cylindres, pistons, mécanismes de commande ou moteurs. Le fluide retourne alors sous basse pression au réservoir. Des mouvements linéaires peuvent être générés, comme dans cette machine. Ou dans les commandes de matériel robotisé dans cette usine de fabrication de carrosserie de voiture. La pression hydraulique peut aussi être utilisée pour générer des mouvements rotatifs, comme ceux nécessaires au fonctionnement des machines-outils ou, par exemple, des moissonneuses. Au cœur de tout système hydraulique se trouve la pompe. Elle peut être à palette, à piston ou à engrenage, suivant la nature du service qu'on lui demandera. À chaque type de pompe correspond une pression maximum. Aux alentours de 200 bars pour les pompes à palette, 700 bars pour les pompes à piston et 250 bars pour les pompes à engrenage. Chaque pompe et système travaillant dans des conditions différentes de température et de pression, il est essentiel qu'une vaste gamme de viscosité de fluide soit disponible. Le choix correspondant s'avérera crucial. La gamme des viscosités ISO disponibles s'étend de 5 pour les produits les plus fluides à 100 pour les plus épais. Ces viscosités sont mesurées en centistock à 40 degrés centigrades.
Le choix reflète généralement le type de pompe et les grades les plus couramment utilisés sont 32 et 46. Si la viscosité est trop basse, un fonctionnement inefficace résultera des fuites internes de la pompe. Une usure anormale de celle-ci s'en suivrait aussi. Dans ce cas, le fluide s'échappe de la zone de haute pression à la zone de basse pression de la pompe, quelle que soit sa configuration. Si la viscosité est trop élevée, comme dans cette pompe à palette, il y aura augmentation de température opérationnelle, de même qu'un apport restreint de fluide à la pompe. Ceci causera des cavités de vapeur dans le fluide et un circuit bruyant. C'est ce que l'on appelle la cavitation. Cette pompe en montre les signes avec ses palettes sautant dans leur guide. On admet qu'une conception défectueuse du système est la cause la plus fréquente de la cavitation, mais cela peut aussi résulter de l'utilisation d'un fluide trop visqueux. Ici, cette palette montre les conséquences de la cavitation et une usure à son extrémité sur la tranche due à une lubrification défectueuse. Les guides des palettes dans le retors sont usés et les flancs de la pompe montrent eux aussi une usure au niveau du contact des palettes. La viscosité est évidemment affectée par les changements de température. Toutes les huiles s'épaississent à basse température et deviennent plus fluides à haute température. Les conditions de l'environnement sont donc importantes. Importante aussi est la différence entre les températures de l'huile dans la machine au démarrage et en fonctionnement. On choisira donc des huiles dont la viscosité fluctuera aussi peu que possible avec la température. Un indice de viscosité de 100 sera typique pour les utilisations classiques. Lorsque les différences de températures opérationnelles sont grandes, on utilisera couramment des fluides dont l'indice de viscosité se trouve dans la fourchette 150 à 190. Bien que la viscosité et l'indice de viscosité soient les caractéristiques les plus importantes des huiles hydrauliques, d'autres propriétés n'en sont pas moins essentielles à la bonne marche d'un circuit bien conçu. Tout d'abord, la désémulsibilité avec l'air, la faculté de l'huile à se séparer de l'air qui s'y serait introduit. La transmission d'une pression constante dans un circuit hydraulique est possible grâce à l'incompressibilité relative de l'huile, à peu près 2,5% à 500 bars. Cette presque incompressibilité peut être altérée par une présence d'air, conséquence de défaillances mécaniques telles que défaut d'étanchéité à l'aspiration de la pompe. Ceci provoque des réactions irrégulières et saccadées, ainsi qu'une surchauffe due à la compression de l'air. Il faudra que le fluide hydraulique ait une bonne désémulsibilité d'avec l'air. Elle se matérialisera surtout dans le réservoir. Le fluide devra aussi résister au moussage qui résulterait de la présence de bulles d'air, elles-mêmes souvent dues à une contamination de la charge. Le moussage peut aussi être causé par des défauts de conception du circuit. L'extrémité de la canalisation de retour doit toujours être immergée dans le fluide et le réservoir lui-même doit comporter des déflecteurs empêchant les éventuelles bulles d'air d'être réaspirées par la pompe. Le volume d'huile doit être suffisamment grand pour permettre une bonne désaération avant retour dans le circuit. Le réservoir devrait aussi avoir un fond incliné permettant aux sédiments et à l'eau de bien se séparer de l'huile. Une bonne désémulsibilité d'avec l'eau est une autre propriété essentielle du fluide. De petites quantités d'eau peuvent pénétrer dans le circuit par condensation dans la partie haute du réservoir. On peut craindre alors des dommages aux soupapes, aux pompes et aux portées, causés soit directement par l'eau présente dans le système ou par son émulsion avec l'huile. La température de fonctionnement du fluide dans bien des systèmes hydrauliques est inférieure à 60 degrés centigrades et cette température n'est pas suffisante pour permettre l'évaporation d'eau éventuellement présente. Ainsi, les huiles hydrauliques doivent-elles satisfaire aux exigences de tests spécifiques de désémulsibilité. À droite, un exemple de mauvaise désémulsibilité. Une huile bien raffinée et propre, comme celle de gauche, se désémulsifiera rapidement et l'eau se séparera nettement au fond.
Certains additifs peuvent réagir avec l'eau et d'autres contaminants de l'huile et former des dépôts qui, à leur tour, bloqueront les filtres fins. La trame d'acier de ce filtre est observée au microscope électronique avant et après contamination. Une huile hydraulique bien élaborée devra donc être plus tolérante à l'égard d'une contamination par l'eau, afin de réduire ce type de risque de blocage de filtre. La corrosion des circuits hydrauliques peut causer le mauvais fonctionnement des soupapes et le blocage des filtres. Pour éviter ceci, des améliorants spéciaux de performance sont incorporés à l'huile lors de sa fabrication. Ceux-ci doivent remplir leur rôle à l'égard de la gamme étendue des métaux que l'on trouve dans les pompes modernes. Acier, argent, laiton, bronze, fer, aluminium. Ces deux éprouvettes d'acier sont de composition identique. La corrosion est clairement visible sur celle qui n'était protégée que par une huile non inhibée, alors qu'aucune corrosion ne s'est développée lorsqu'on a eu affaire à une huile comportant un améliorant de performance anti-corrosion. Ces produits doivent être sélectionnés parmi ceux qui ne sont pas sujets à l'hydrolyse. S'ils l'étaient, le fluide deviendrait acide et attaquerait les métaux jaunes du circuit, comme ici. La durée de vie d'un fluide hydraulique dépend surtout de sa stabilité, de sa résistance à l'oxydation. Plus les températures et pressions opérationnelles sont élevées, plus les risques d'oxydation sont importants. Ce sont là des conditions fréquentes compte tenu de la conception de beaucoup de circuits modernes utilisant des petites pompes travaillant à haute pression. Les hautes températures peuvent aussi affecter d'une manière adverse la stabilité thermique de l'huile. Une stabilité thermique inadéquate a épaissi et noirci cette huile, la transformant en une boue qui bloquerait les orifices, les soupapes et les filtres. Ceci conduirait aussi à une attaque corrosive des métaux dans le circuit. L'huile oxydée endommagera les pompes, les engrenages et les pistons, y déposant des gommes et des lacs et les attaquant par ses composants acides. Des situations catastrophiques comme celle-ci sont dues soit à une conception défectueuse, soit à un mauvais entretien. Dans les deux cas, même la meilleure huile ne pourrait faire l'affaire. Dans un système bien conçu et bien entretenu, si les conditions de travail sont moyennement sévères, avec température de l'huile dans le carter ne dépassant pas 60 degrés centigrades, une charge peut durer en moyenne 2 ans. Des tests standardisés montrent la résistance d'une bonne huile hydraulique à l'oxydation. L'huile reste inchangée pendant une longue période. Puis on assiste à une oxydation rapide, montrant que l'huile est arrivée à la fin de son potentiel utile de service et doit être changée. En aucun cas, on ne pourra admettre un indice d'acide de plus de 2 mg de potasse par gramme. Comme nous l'avons vu, les machines hydrauliques modernes sont souvent conçues pour fonctionner avec des pompes plus petites et plus chargées que par le passé. De même, les équipements de grande dimension sont de plus en plus complexes et chargés. Cette situation d'ensemble mène nécessairement à un potentiel d'usure accru. Aussi, incorporons dans les fluides hydrauliques des améliorants de performance anti-usure. L'usure dans une pompe à palette est évaluée en la faisant tourner au double de sa pression normale pendant 250 heures. On la démonte alors et on l'examine. L'usure est calculée en mesurant la perte de poids des palettes et du fourreau. Avec une bonne huile hydraulique, la perte totale de poids sera toujours inférieure à 20 mg. Des tests comparables sont faits avec les pompes à engrenage et à piston. L'usure a ici résulté en un micro-grippage important ayant provoqué des griffures longitudinales destructrices sur les dents de l'engrenage de gauche. Pour les pompes à piston, c'est le jeu longitudinal anormal qui donne la mesure de l'usure. Une large gamme de fluides incorporant certaines ou toutes ces caractéristiques de protection est utilisée dans les circuits hydrauliques. Une classification particulière ISO, International Organization for Standardization, lui correspond. Dans les systèmes modernes, les produits correspondant à la classification HM sont les plus couramment utilisés. Les produits de classification HV, dont l'indice de viscosité est particulièrement élevé, ont aussi de très nombreuses applications. Au fil des ans, les chercheurs du groupe Shell ne cessent de développer et d'améliorer les performances d'huiles hydrauliques sophistiquées, répondant aux exigences toujours plus sévères des systèmes hydrauliques modernes.
des applications industrielles multiples, à certaines industries des loisirs et à l'exploration de l'espace, tant dépend du comportement sans faille d'une huile hydraulique. Yeah.